j'ai tout de suite dit oui. C'est vrai que j'avais tout de suite envie de devenir un des ambassadeurs de Paris 2024 parce que, encore une fois, je sais ce que les Jeux m'ont apporté, je connais mon rapport à l'olympisme et j'avais vraiment envie de faire bénéficier le plus grand nombre de cette magie olympique. Paris, clairement, aujourd'hui, est bien positionné. C'est encore une fois la preuve qu'on a un projet solide, une équipe qui est prête, un projet soutenu. On a retenu des enseignements aussi du passé, avec plus de sportifs impliqués, avec davantage d'ouverture sur l'international. Donc je crois qu'effectivement, on avait perdu de deux voies la dernière fois. Je pense qu'on a progressé un peu, donc on peut espérer gagner cette fois-ci. Voilà le signe de ralliement et de soutien à Paris 2024. Voilà, c'est une tour Eiffel, ça veut dire Paris en langue des signes.